partie 10 alors, de la Porsche 911 de chez Tamiya. Donc alors on en était. Donc la carrosserie, c'est presque terminé. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite ici on en est aux vitres. Donc aux vitres, donc là j'ai les deux avant, arrière à peindre avec le X18. Ok. Et j'ai ces pièces aussi là, X18 ces pièces. Donc X18 c'est noir satiné. Donc on repart là-dessus. Ok, et bah c'est parti. Donc on va mettre ces deux là déjà. On va préparer ça. Hop. Ça. À l'intérieur, il y a XF1. Ok. Bon, on verra après. Déjà, on va préparer ces pièces. Hop. Hop. Ok. On va mettre la lunette, les lunettes loupes. Je crois qu'il va falloir que je change de lame sur la lame, sur le cutter là, parce que c'est un peu limite. Hein. Ça c'est bon. Ok. Un petit coup d'alcool. Bon, ces petites pièces, hein, je vais pas les apprêter. Hein. Je vais pas les apprêter. Donc ça, je les nettoie bien. Ok. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors ces petites machines, elles iraient. Elles se trouveraient par ici. C'est pas celle-là, ça serait celle-ci alors. Ok, ça viendrait comme ça quoi. Non. Pas comme ça, comme ça, non. Comment ça va ce truc? Comment ça va sur ta planète? Je te répondrai que ça va, comme si, comme ça. Ouais, ça va comme ça, ok. Alors ça, par contre, il me le demande de le peindre en X18. Superbe. C'est superbe. Ok, donc, on va préparer ça. Deux petits cure-dents. Ça va comme si comme ça. Ta 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 na 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 sur ma planète. Bon, on va faire les vitres. Allez, les parties transparentes, tiens. Alors, les parties transparentes. Ils nous disent de peindre ça, juste le bas en X18 là.
juste le toolbox X18. Ok, on va préparer ça. Allez, c'est parti. We'll be right back.
les amis, donc voilà. Donc mes pièces, elles sont là. Elles sont prêtes à être peintes en X18, donc en noir satiné. Donc là, on est OK. Alors par contre, sur les vitres de côté, et ben les vitres de côté, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Bon, bah OK. Ensuite, donc ça... Donc ça, ça va être bon. Hop, hop, on va les préparer, on va les peindre en X18. Celui-ci, c'est bon, on va les peindre en X18. Ensuite, c'est 6, ça c'est quoi ça? C'est 6. Ça va être les parties chrome. OK. Donc on mettra ça après. Bon, déjà, je vais peindre ça et après, on va mettre les parties chrome. Là, je pense que c'est au niveau des optiques avant. OK? Allez, je fais ça et je vous reprends. À tout de suite. Bon, alors, OK. Donc, ça y est, c'est peint. On va laisser sécher un petit peu. Hop là, nickel. Alors, donc, on va mettre ces parties-là. On va faire un petit zoom. Hop. Ces parties là, cette petite grille là qui correspondrait au feu certainement, aux anti-brouillards je pense. Donc on regarde ça et puis on regarde ça. Alors, hop là. Donc la petite beauté, elle est là. Pas mal hein. Ouais, c'est pas dégueu quand même hein. C'est cool. Alors, par contre ici, il y a un peu de blanc là. C'est la pâte ça. Alors, donc les trous ils sont percés. Par contre, c'est cette petite machine à mettre là. Alors, on a ça à mettre, je pense. Ça, c'est numéro 5. Ouais. Et ensuite, normalement, on a ce petit machin là. Voilà, ça. OK. Par contre, cette plaque là, je sais pas du tout ce que c'est. Si quelqu'un a une idée, pour s'en servir de support ou... Oh, je ne sais pas du tout. Donc voilà, donc si quelqu'un a une idée à quoi ça sert ça, eh ben on me laisse un petit com et ça sera toujours sympathique. Alors, bon le chrome est pas mal hein, de ça. Hein. Ah ouais. 5, 6. Alors le 6 il vient quand on retourne la voiture. Je vais prendre un petit polochon quand même pour éviter de l'abîmer la bête.
c'est bon, le rétro intérieur est posé. Donc là, bah, on a tout fini, hein. La partie 12. Ok, donc la partie 12 est finie. On a percé pour mettre les plaques d'immatriculation. On a mis les intérieurs des optiques, les vitres. On a peint en X18 le contour des vitres. Et puis on est pas mal. Donc là, on va passer à la partie 13. Et la partie 13, il nous dit... la partie 13, donc il faut qu'on mette le châssis. Bon bah allez. Allez, c'est parti, on fait ça. Go. Allez. Là, la bête. Voilà. Ça claque, ça claque. Alors, on va prendre son temps. Alors là, ce qu'on va y mettre, c'est juste un petit coup de... Juste à ce niveau-là, dans les trous. Parce que ça rentre... De toute façon, ça rentre impeccable. Voilà. Bon, ça devrait pas trop mal se passer, normalement. Du moins, j'espère. Hop. Hop, ok, là on est dans les trous. À la pression. Alors attends, hop là. Ça c'est toujours bon, oui. Ok, voilà. Elle est dedans. Oh, je suis content, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Je vais y mettre un petit point de colle là au fond. Non, je sais même pas, non, j'ai laissé comme ça. J'ai mis un point de colle ici. Et là, on est bien rentré. Ok, superbe. Oh, voilà. Ça avance, ça avance. Bon, bah, on continue. Je vous reprends. Bon, bah, voilà. La voiture est finie. Donc voilà quoi. Je suis super content de ce kit, c'est vraiment superbe. Vraiment un très bon kit, hein. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini de mettre les luminaires. J'ai mis les plaques d'immatriculation. Donc les carreaux, les vitres sont finies. Les poignées s'est posé. Les rétros. Qu'est-ce que j'ai fait? Les clignotants, les feux avant. J'ai collé ici les petits clignotants aussi. Et puis donc voilà quoi. Donc voilà, du coup, bah bon, bah j'ai fini dans mon coin, je suis désolé, j'ai fini toutes les petits détails dans mon coin. Voilà. Bon bah voilà, donc celle-ci est terminée, j'espère que ça vous a plu. Et donc voilà quoi. Que dire d'autre? Oui, et puis de toute façon, je voudrais. Alors je voudrais remercier aussi, je voudrais vous remercier aussi pour tous vos commentaires. Pour tous vos pouces bleus, c'est vraiment, c'est super sympa, c'est touchant. J'espère que ça vous plaît, parce que c'est quand même un peu de boulot, hein, de faire tout ça. Enfin moi, de faire les maquettes, c'est superbe. Ça c'est vraiment un truc, c'est vraiment classe quoi. Mais tout ce qui est montage et tout ça, c'est vrai que c'est un peu de taf. Hein. Donc voilà, donc je le fais avec plaisir. Et vous me le rendez bien, donc c'est super cool. Donc vraiment merci beaucoup de tous vos commentaires, c'est génial. De vous investir et tout, vos pouces bleus, c'est cool. Et puis voilà quoi. Donc bah sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce petit montage de cette Porsche 911 GT2 vous aura plu, vous aura donné quelques idées. Et puis voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, faites pas les fous surtout. Et je vous dis à plus. Allez, salut, ciao.